Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, messieurs les députés, monsieur le bourgmestre, messieurs les bourgmestres, actuels et futurs, mais qui seront souvent les mêmes, je vous rassure, chers administrateurs, chers clients actuels et futurs, qui ne seront pas forcément les mêmes, je vous rassure, chers collègues, chers amis, chers fans de l'essentiel, merci à vous tous d'avoir su, malgré des agendas compliqués, ménager un espace sur vos emplois du temps pour venir fêter avec nous ce 10e anniversaire. Notre temps étant précieux, nous allons plus le consacrer à faire la fête qu'à discourir. Venons-en donc, sans tarder, à l'essentiel. Ça tombe bien, c'est justement de l'essentiel que je souhaitais m'entretenir. Bon alors, j'ai faim moi. Laisse-le parler, il n'a encore rien dit. Mais justement, comme ça il n'a pas dit de bêtises. Mais rien d'important non plus. Oh, vous deux, je pourrais en placer une. D'abord, de quel droit m'interrompez-vous? D'où sortez-vous? Je suis Séraphin, un angelot dodu, frisé et blond. Je suis ta bonne conscience. Je suis Mephisto, un démon poilu et cornu. Je suis ta mauvaise conscience. Il y a eu les sans dents. Eh bien moi, je représente les sans péchés, les sans fautes, les sans flammes, les sans mal, les sans mauvais, les sans enfer, quoi. Il faut que tu m'écoutes. Non, c'est moi que tu dois écouter. Je représente les sans paradis, les sans saints, les sans bien, les sans bons, l'essentiel, quoi. Hé, c'est moi qui représente l'essentiel ici. Fichez-moi la paix. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Reprenons. Il y a 10 ans, l'annonce de la création, au Luxembourg, d'un journal gratuit francophone avait été accueillie avec le plus grand scepticisme. Parce que gratuit et parce que francophone. Les objections relevaient parfois de l'analyse d'un lectorat jugé trop peu nombreux, d'un marché publicitaire estimé trop limité. Mais surtout, l'idée d'un gratuit s'opposait à une mentalité profondément ancrée au pays. Une mentalité résumée par une phrase. « Wat nicht kost, dat nicht ass ». Ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Ce qui est gratuit est négligeable. Ce qui n'est pas acheté est à jeter. Que serait donc le lectorat d'un journal francophone? Et puis, il y avait déjà suffisamment de journaux. 6 quotidiens dans un pays de moins de 500 000 habitants. Aucun autre pays ne connaissait une telle abondance de titres. Au Luxembourg, les titres ont toujours été nombreux et bien placés. Pas les titres de noblesse. Il y a bien un grand-duc, mais pas de marquis ou de baron. Oh, peut-être, mais il y a beaucoup de comtes. Oh, pas de commentaires, vous deux. Je reprends. L'autre défi était bien sûr de publier un nouveau journal quotidien en français. Même s'il s'agissait de la langue la plus utilisée au travail, et du plus grand dénominateur commun entre les différentes communautés, l'écrit restait le domaine de l'allemand. Et normal, c'est compliqué le français. Pour dire « est croissant », il faut dire « un croissant ». Et « décroissant », ça veut dire quoi ?« Décroissant ». Que folle ! Le défi était donc de taille, d'autant que la crise de la presse écrite commençait à sévir. Notre pari était d'abord qu'il y avait bien un lectorat potentiel énorme. Les étrangers, les frontaliers, qui semblaient se désintéresser de l'actualité luxembourgeoise, mais qui formaient le gros des troupes dans les entreprises. Les jeunes, apparemment si difficiles à intéresser, qui devaient prendre l'habitude de feuilleter un journal chaque matin. Un gratuit francophone pouvait devenir un facteur d'intégration, un outil de la découverte mutuelle, un trait d'union entre les communautés et les générations. Un tel média devait permettre au plus grand nombre de connaître le nom des responsables politiques, mais aussi des artistes, des acteurs économiques ou culturels du pays. Encore fallait-il que le lecteur soit au rendez-vous. Eh bien, si le lecteur ne venait pas au journal, le journal irait au lecteur. Si tu ne viens pas à l'essentiel, l'essentiel ira à toi. Comme Lagardère. Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi. Lagardère, le propriétaire de Paris Match, Europe 1, achète, elle... Mais non, Ballot.
Lagardère du Bossu, le film de Cap et d'Épée. Et vous n'avez pas la télé au paradis? Non, je suis à l'aise. Il y a trop d'images choquantes. Pas de télé. En enfer, on a toutes les chaînes pour nous attacher au chaudron bouillant. Oh, ça va, vous deux? J'en étais où? Ah oui, les lecteurs. L'idée était donc de permettre une diffusion au plus près des lecteurs. Devant leur gare, leur bus, sur le chemin de l'épicerie, près des lycées, parfois même dans l'entreprise, à l'accueil, à la machine à café. Partout où, d'un simple geste, le journal, d'un format pratique, facilement consultable. Il pouvait être emporté, glissé dans la poche, dans le sac, facilement lisible. Une sorte de smartphone, quoi. Sans les pannes de batterie. Pour une fois, vous ne dites pas de bêtises, tous les deux. 2007 est l'année de naissance de deux nouveaux vecteurs d'information. L'iPhone et l'essentiel. Et ça n'est pas totalement un hasard si les deux ont connu un tel succès. Mais la comparaison s'arrête déjà là. L'iPhone coûte une vraie fortune. Alors que l'essentiel est juste impayable. Bien sûr, l'annonce de la création de l'essentiel n'a pas laissé le paysage médiatique luxembourgeois sans réaction. Le plus important groupe de presse du pays, Saint-Paul, n'est pas resté l'arme au pied. Plutôt la larme à l'œil. La larme ? Elle a sonné à Gasperich. Et il fallait réagir ! Abondance de biens ne nuit pas, dit-on. Là où on était convaincu qu'un gratuit quotidien n'avait aucune chance, un second projet vit le jour. Point 24. Avec le même souci de large diffusion, presque le même format, la même gratuité. Évidemment, ça faisait beaucoup d'un seul coup. On aurait pu craindre que sur un si petit territoire, avec le même marché publicitaire limité, les deux concurrents soient, sinon mornés, au moins condamnés à court terme. L'un des deux, en effet, ne put survivre. Je vous laisse deviner lequel. Mais la disparition d'un journal, fut-il récent, est toujours un événement triste. Heureusement, d'autres titres du groupe Saint-Paul continuent de paraître et de prospérer. Oui, il y a toujours du papier dans l'évêché. Mais plus de rédacteur en chef. Mieux, un triumvirat. Ou plutôt une sainte trinité, non? S'il vous plaît, tous les deux. Donc, si l'aventure d'un des deux petits nouveaux s'arrêta bien vite, il fallait à l'essentiel redoubler d'efforts pour consolider les fondations et aller de l'avant. Car la prise de la presse était bien réelle au plan européen. Elle tenait bien sûr à la place grandissante des médias audiovisuels, à la prééminence de l'image sur le texte, à la sursollicitation du marché publicitaire, à une certaine désaffection pour l'écrit. Et encore, le bébé iPhone n'avait-il pas encore pris toute sa place? Un nouveau défi se profilait, celui de l'information digitale, des réseaux sociaux, du besoin d'instantanéité. Comment résister à ces nouvelles sollicitations qui promettaient la mort prochaine du papier? D'abord, notre journal a fait l'effort d'être aussi proche de l'instantanéité que possible. Imprimé très tard dans la nuit, aux alentours de 2h du matin, il peut être modifié jusqu'au dernier moment. Ainsi, l'événement important survenu en fin de soirée ou même dans la nuit peut encore figurer sur l'édition du lendemain. Ensuite, dès les premières minutes suivant le lancement des rotatives, les premiers exemplaires partent en diffusion. La chaîne du froid n'est jamais interrompue et les nouvelles arrivent fraîches aux lecteurs. On parle d'information, pas de poisson. Autrefois, on emballait bien le poisson dans du papier journal, non? Eh oui, et il y avait de la friture sur les lignes. Ah là là là. Face aux nouveaux canaux d'information apportés par la révolution numérique, l'essentiel a fait le choix de ne pas résister en s'arc-boutant sur une position conservatrice, mais de les associer. Sites internet, applications mobiles, puis radio ont complété le format papier. Aujourd'hui, alors que l'édition quotidienne touche 200 000 lecteurs, le site accueille 100 000 visiteurs par jour. La radio se développe à un rythme rapide. Et l'aventure de l'essentiel est une incroyable success story. Une telle aventure ne se vit pas sans une équipe jeune, dynamique et déterminée. Pour réussir, malgré les handicaps que j'ai décrits plus avant, pour s'imposer dans un contexte, pour ne pas subir le sort de tant de publications éphémères, il fallait vraiment mettre le paquet. Le défi était journalistique, technique, marketing,
humain, financier. Car faire paraître un journal, ça n'est pas seulement coucher de l'encre sur du papier. Il faut des auteurs, des reporters, des photographes, des administratifs, des techniciens, des spécialistes de la régie publicitaire, des gestionnaires, des communicateurs, des imprimeurs, des porteurs, des diffuseurs et, last but not least, des lecteurs. C'est important que la presse puisse paraître. Pour ça, il ne faut pas qu'elle paraisse. Mais si, il faut qu'elle paraisse. Mais non, il ne faut surtout pas qu'elle paraisse. Vous avez raison tous les deux. Pour que la presse paraisse, il ne faut pas qu'elle paraisse. Il ne faut pas qu'elle se repose sur ses acquis aujourd'hui menacés. Il faut qu'elle s'adapte, qu'elle anticipe. Même les nouveaux modes de communication. Qu'elle soit en prise sur son temps, qu'elle résiste aux rumeurs et aux fake news, qu'elle respecte son métier, mais qu'elle suive les évolutions de plus en plus rapides de nos sociétés. Si elle veut continuer à paraître, elle ne doit pas paraisser. Pour qu'elle paraisse, il ne faut pas qu'elle paraisse. Ah bah tu vois, j'avais raison. Mais non, c'est moi qui avais raison. Ils sont comme l'opinion, prêts à s'enflammer sur des sujets secondaires, à polémiquer sur des détails, à s'entre-déchirer sur des malentendus. Qui veut faire l'ange, fait la bête, disait Pascal. Et qui veut jouer avec les flammes de l'enfer, se brûle les doigts. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises informations. Il y a des informations vraies ou des bobards. L'essentiel est un journal de l'instantanéité, de l'immédiateté. Le lecteur doit recevoir l'essentiel de l'info. Les commentaires, les analyses, les dossiers ou les enquêtes, c'est bon pour le week-end, quand l'esprit est dispo, quand le temps prend son temps. Les articles plus fouillés, les commentaires des dossiers, les analyses publiées dans les journaux de référence ou des magazines de réflexion bénéficient alors de toute l'attention prolongée qu'ils méritent. Il est une autre grande différence de l'essentiel dans le paysage journalistique luxembourgeois. Sa ligne éditoriale n'était pas, dès le début, influencée par une obédience politique, philosophique, commerciale ou religieuse. Il ne s'agit pas d'éviter les sujets qui fâchent, de passer sous silence des informations dérangeantes ou sensibles. Il s'agit de les livrer au lecteur sans essayer d'influencer son interprétation des faits. Cette neutralité n'est pas une facilité. Elle suppose rigueur et exigence. Peut-être l'origine suisse d'un de nos actionnaires y est-elle pour quelque chose. On ne fait jamais la guerre aux Suisses. Forcément. Tuer un père, c'est un parricide. Tuer un frère, c'est un fratricide. Et tuer un Suisse, ce serait un... suicide. Alors c'est malin ça. Croyez-moi, nos rédacteurs sont souvent la plume qui les chatouille, l'indignation à fleur de clavier, le commentaire prêt à être dégainé. Ils ont des opinions, des convictions. Simplement, ils ne tentent pas de les faire partager. Le prosélytisme est étranger à leur démarche. Et pour ne parler que d'un sujet grave et extrêmement sensible, je connais un supporter du PSG qui n'a jamais passé sous silence une belle victoire de l'Olympique de Marseille, quoi qu'il ait pu lui en coûter. Moi, je suis supporter du FC Metz. Ils sont derniers. Mais j'aime bien le nom, Metz. Et puis, les derniers seront les premiers. Alors, ils ont toute leur chance. Silence. Le foot, c'est peut-être le sujet le plus dangereux. Mais si nos rédacteurs n'ont pas pour mission de faire partager leurs opinions aux lecteurs, ils ont un devoir indiscutable, celui de vérifier les infos qu'ils vont diffuser. Elles le sont scrupuleusement, y compris celles qui leur sont communiquées par des lecteurs, reporters à l'occasion, car il est bon de permettre une grande interactivité avec les lecteurs, de recevoir leurs témoignages, de publier parfois leurs scoops. Le journal reste l'affaire exclusive de professionnels. Je pense aux rêves que certains ont nourris à l'étranger par le passé. Au départ, Libération devait être un journal écrit par ses lecteurs, ce qui revenait à la réalité parfaitement inutile d'un journal lu par ses rédacteurs. L'équipe de professionnels qui accomplit chaque jour le miracle aujourd'hui renouvelé de la parution de l'essentiel compte aujourd'hui 60 personnes, dont 30 journalistes, parmi lesquels 15 se chargent du numérique. Je vais donc maintenant demander à toute l'équipe de cette formidable équipe, à toutes les personnes de cette formidable équipe, quelle que soit leur fonction, technique, rédactionnelle, administrative ou marketing, de me rejoindre ici afin que vous puissiez les applaudir avec moi. Il y en a qui sont bien, hein ?
sont tous merveilleux. Ouais. On va pas les supporter de... Chut, chut, chut. Mais c'est qu'il ferait déclencher un conflit, ce démon. Bah, c'est un peu mon boulot, non? Le mien, de boulot, avant de conclure, c'est de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la préparation, à la réalisation de cette soirée d'anniversaire, les équipes techniques, la communication, les artistes, la commune de Differdange et le 1535, évidemment. Et tout particulièrement l'ami Jacques Schneider, qui nous livre sa vision artistique de 2302, une de l'essentiel, couvrant en 10 tableaux 10 années d'actualité. Et puis, il me faut me projeter dans l'avenir. Que peut-on souhaiter à notre entreprise d'ici son 20e anniversaire? D'élargir, de consolider sa pénétration dans un lectorat qui dépasse déjà le pays, les frontières du pays, car presque 600 000 habitants du Grand-Duché, il convient d'ajouter les 180 000 frontaliers qui arrivent chaque matin sur son territoire. Ceux-là aussi sont des acteurs économiques et des consommateurs. Et s'ils contribuent à la prospérité du pays, il est bon qu'ils en reconnaissent les réalités, que leur meilleure connaissance de l'actualité du pays, de leurs collègues de travail, les rapproche de ceux-ci, que leurs liens se renforcent, que leurs préjugés tombent, que les jeunes puissent aussi bien savoir avant tout le monde quel artiste se produira prochainement dans la région, que découvrir ce qui inquiète et réjouit leurs parents, qu'ils aient leur actualité et puissent déborder sur celle des adultes qui bien souvent les concernent au premier chef. Que la langue française, parfois injustement stigmatisée par ceux qui préfèrent le repli à l'ouverture, joue son rôle de dénominateur commun sans velléité dominatrice. Que nos annonceurs puissent apprécier cette originalité qui leur permet de toucher le plus grand nombre, et pas uniquement une communauté, une classe sociale, une fraction de l'opinion. Qu'ils puissent constater que leur message est reçu au-delà des sphères convenues et qu'il est véhiculé plus loin, plus fort, plus largement. Que notre développement se poursuive ici à Differdange, où notre aventure a commencé grâce à l'hospitalité des autorités communales, dans des conditions de départ un peu rock'n'roll, mais bien vite dans des conditions de confort exceptionnelles. Depuis, Differdange a également connu une évolution stupéfiante. La ville a fait le choix de l'innovation et les récentes annonces de la secrétaire d'État à l'économie, Françoise Klausner, sur le soutien à 1535 ne font que renforcer notre conviction que cette commune du Sud est résolument tournée vers l'avenir. Elle passe avec audace du faire au savoir-faire. Nous serons heureux de poursuivre notre partenariat avec cette ville dynamique où il fait bon vivre et travailler. Mon autre souhait est que la presse luxembourgeoise, toute la presse luxembourgeoise, dans sa diversité, puisse continuer d'informer, de commenter, de révéler, de dénoncer, d'amuser, d'éduquer, d'exprimer des points de vue. C'est important d'exprimer. Oui, plus que de réprimer ou d'opprimer. Mais c'est aussi important d'imprimer. Pour nous, en tout cas, dont c'est la vocation première. Car la presse papier n'a pas dit son dernier mot. Elle ne pourra maintenir ses positions sans aide officielle. Pas pour tout le monde, les aides, hein, pas pour tout le monde. Wat nicht kaust. Eh bien alors, on peut dire, aide-toi, l'essentiel t'aidera. Mais si le point de fusion du fer est, comme on le sait parfaitement à Differdange, 1535 degrés Celsius, celui de l'inflammation du papier est de 233 degrés Celsius, autrement dit 451 degrés Fahrenheit. Et dans son magnifique film Fahrenheit 451, tiré du roman éponyme de Bradbury, Truffaut nous montrait à quoi ressemblerait un monde sans papier. Donc sans lecteur, sans auteur, sans esprit critique, sans liberté en fait. Cette perspective-là serait un cauchemar. C'est pourquoi la prospérité d'un journal papier, surtout quand il ne néglige pas son développement numérique et radiophonique, est essentielle. Qu'il soit gratuit ou pas est secondaire. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est et restera gratuit, mais tellement payant. Je vous remercie.